Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Encore un haul de la série Amazon Clairefontaine. Oui, j'ai fait vraiment mon stock pour des papiers couleurs parce que j'avais plus. Je crois que vous avez vu dans la scrap room comment j'ai fait parce qu'il ne me restait pas beaucoup. J'avais beaucoup de papiers, mais genre il me restait 10 pages de rouge, 20 pages de vert. Comme ça, des quantités comme ça, et des fois ça ne me suffit pas pour faire un album. Par exemple, je voulais commencer un album maintenant et j'avais besoin de papier violet, mais il me reste que 5 pages, du coup forcément ça ne me suffit pas pour faire l'album. Pour ça, moi je fais ça, ça dépend, une fois par année ou après une année et demie, ça dépend combien je utilise dans chaque paquet. Mais je sais que j'achète plusieurs couleurs et comme ça j'ai le stock pour une très 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 bonne période. Après ça dépend aussi de combien des albums je fais et de tout ça. Je voulais montrer d'abord, j'ai pris sur Amazon pareil parce que j'ai commandé une fois sur AliExpress mais ils ont arrivé jamais. Du coup j'ai préféré d'acheter sur Amazon direct. Comme ça, en 12 jours, il est arrivé la commande. C'est des bouteilles comme ça, en 30 ml. Moi, j'avais avant des bouteilles, mais ils étaient trop petites. Et j'arrivais à faire quelques pages et après, recharger. Et j'étais en train de m'énerver. Du coup, j'ai pris des bouteilles comme ça, en 30 ml. Pour mettre la colle. Oui, j'utilise beaucoup cette colle aussi. Mais je veux passer le col Cléopâtre aussi parce que j'ai beaucoup col Cléopâtre aussi. Et tout le col que j'ai utilisé avant et il est très bien. Je veux passer la colle parce que je veux pas gaspiller du col juste parce que j'ai trouvé que le hard glitter il est meilleur. Non, je veux utiliser tout le col et du coup je utilise avec des récipients comme ça. Désolée pour le bruit, je vous montre tout de suite pourquoi. Parce qu'ils ont des embouts super fins comme ça. Et j'arrive à doser la quantité de colle mieux. Du coup, c'est très important. Moi, je dis que c'est très important de savoir. Par exemple, vous prenez le colle, je ne sais pas, Tacky Glue de chez Action, par exemple. Je vous passe juste un exemple. Vous mettez la colle sur le papier direct avec... la colle que vous achetez direct comme ça et après sur une autre papier vous mettez la colle avec cet embout. Je vous jure que le papier où vous mettez avec cet embout il gondole pas, mais l'autre où vous mettez direct avec la colle ça gondole parce qu'on met trop de colle. Avec celui-là on arrive à gérer mieux la quantité et comme ça le papier il gondole pas. Bien sûr, moi je parle des papiers qui ont un grammage à partir de 160, même 200, 185. Moi je parle des papiers comme ça, je parle pas des papiers qui sont, ils ont un grammage de moins 120 parce que là-bas forcément ils vont gondoler, mais moi je parle des papiers un peu plus épais. Moi j'ai essayé, pour ça je veux parler, après je sais pas sur des autres personnes, mais moi j'ai essayé, j'ai fait le essai de mettre la colle avec les pipettes comme ça. Et j'ai mis la colle direct sur le papier. Et sur le papier, il a gondolé. Ou j'ai appliqué la colle avec celui-là, il n'a pas gondolé du tout. Du coup, après, essayez. Et vous me disiez ça. Vous me disiez votre avis dans les commentaires, comme d'habitude. Maintenant, on va passer au papier. Et je vous préviens, on va avoir encore un haul papier. Parce que j'attends encore une petite colis avec des autres tantes qu'il me manque. J'ai pris cette fois c'est 210 grammes, pareil 250 papiers et la couleur c'est gris acier. Vous avez ici la couleur et ici vous avez la référence si vous cherchez la référence du papier. Celui-là il a 210 grammes. J'ai préféré acheter le 210 grammes parce que c'est une couleur avec lequel je peux travailler facilement les bases d'album aussi, pas juste pour les places photons.
Du coup, j'ai préféré avoir un bon grammage. Comme ça, je peux utiliser pour tous les deux. Pour faire des places photos, mais pour faire les papiers de base de l'album aussi. J'ai pris le rouge corail. Cette fois, c'est 160 grammes. Pareil, 250 papiers. Et vous avez ici la référence et la couleur. Rouge corail. Pareil, c'est un très joli papier. Après, la même Clairefontaine. Celui-là aussi, c'est Clairefontaine, sauf qu'il c'est pollen. Celui-là, c'est le même. C'est le trophée, la gamme trophée, comme les grandes aussi. Mais cette fois, il n'y en a que 50 papiers, 160 grammes. Et la couleur, je vous dis tout de suite, c'est jaune soleil. Et vous avez ici la référence. Allez, Angela, voilà. La référence et la couleur. Voilà. C'est un très joli jaune, mais un très flashy aussi. Et le dernier, on a la couleur. Celui-là, il fait 210 grammes. On a 25 papiers dedans. C'est pollen cette fois. Et la couleur, c'est verte jade. Vous avez ici la référence et la couleur. Voilà, ça c'est tous les filles. J'espère que vous avez bien aimé. Comme ça, vous avez une petite idée de quel papier je achète. Et comme ça, vous avez des liens aussi. Parce que je vais mettre dans la barre d'infos tous les liens de tous les produits. Et si je vois que la vidéo il est trop courte et j'arrive à avoir le reste de commandes, je vais mettre tous les papiers dans la même vidéo. Comme ça, même si c'est filmé aujourd'hui en vidéo et demain ou après-demain quand il arrive l'autre vidéo, c'est pas grave. Comme ça, je les mets tous les deux dans la même vidéo et comme ça, vous avez tout une fois. Pour l'instant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Allez, coucou les filles. Et mais voilà, après deux jours, on va continuer la série de Clairefontaine. Et je vais mettre les derniers collets, les derniers papiers que j'ai achetés dans la même vidéo. Comme ça, ça fait pas deux petites vidéos et vous avez tout dans la même vidéo. Et comme ça, vous trouvez là-bas tous les liens. J'ai pris encore... oui, j'ai pris encore des papiers, ça se voit très bien. Mais cette fois, on a tous les papiers, ils font un grammage de 170. 250 papiers, comme d'habitude. Et on a ici le bleu azur. Et vous avez la référence aussi. Voilà, c'est un très 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 joli bleu. Très clair et un peu pastel, on peut dire. Et il est nickel. Après, ici, on a presque, on dirait, si on regarde comme ça, on dit que c'est la même teinte, c'est le même vert. Mais non, pas du tout. Celui-là, il est plus pastel par rapport à celui-là. Celui-là, il est un peu plus foncé. Je vous passe tout de suite la référence. Celui-là, il s'appelle vert, tout simple. Et vous avez la référence aussi. Voilà. Et celui-là, le même grammage pour tous les papiers. Et celui-là, il s'appelle vert golf. Golf, il s'appelle. Et on a ici la référence. Et vous voyez, il est un peu plus foncé. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra à cause des lumières, mais il ne fait pas bon du tout. Du coup, je suis obligée de filmer avec les lumières artificielles. Mais il est plus foncé par rapport au le premier vert. Et le dernier, c'est une de mes couleurs préférées. J'adore cette couleur. Ça s'appelle abricot. D'ailleurs, j'adore les abricots aussi. Du coup, la couleur aussi. Et vous avez ici la référence. Voilà. Et dans le paquet, tout ça, moi, j'ai acheté sur Amazon. Dans le paquet, il y avait 7 papiers aussi.
C'est pareil, de la marque Claire Fontaine. Vous avez ici une petite référence. Il était pour protéger les papiers, mais moi, franchement, je veux défroisser et je veux utiliser. Parce qu'en épaisseur, je crois qu'il a plus de 100. Ça, c'est sûr, plus de 100 parce qu'il est quand même assez épais. Et il est super grand. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il est super grand. Et large aussi. Du coup, on peut utiliser. Et c'est un très joli vert. Je ne sais pas pourquoi à la caméra, ça se voit. On dirait que c'est un gris foncé, mais c'est vert. C'est vraiment vert, vert, vert. Je ne sais pas, même comme ça. Ça ne se voit pas la vraie couleur, mais c'est un très joli vert. C'est pas marqué. On dirait que c'est plutôt un vert olive. Quelque chose comme ça. Mais merci beaucoup parce que moi, je veux défroisser et comme ça, je peux utiliser dans mes projets. Cette fois, c'est tous les filles. Et on a fini avec Claire Fontaine. On a fini avec les hauls des papiers Claire Fontaine parce que franchement, maintenant, j'ai mon stock. Pour faire beaucoup, 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 beaucoup de projets. Et on a toutes les couleurs qu'il me faut. Ça, c'est les couleurs que je les utilise d'habitude. Et comme ça, j'ai tout qu'est-ce qu'il me faut. J'espère que vous aimez cette vidéo. J'espère que ça vous aide parce que je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine avec de nouvelles créations. Bisous, bye bye.